Salut les amis, c'est moi. Aujourd'hui, nouvelle. Enfin, aujourd'hui, on continue l'histoire de God of War 3 remasterisé. J'espère que vous allez tous très bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et ben, dans l'épisode précédent, on s'est un peu baladé, on va dire. Enfin, on continue notre chemin pour trouver, on va dire. Hadès, donc le dieu de l'enfer, etc. Puisque nous sommes dans son monde, on va dire. Et puis, bah, comme vous pouvez le voir là, j'ai rencontré le dieu forgeron. J'ai oublié son nom, bordel. Y a pas, attends. Y a pas un truc. Fais voir un peu. Option. À partir du dernier checkpoint. Ok. Bah, écoute. Écoutez. C'est bon. Bah écoute, voilà. On continue. Donc si vous voulez, lui c'est Dieu Forgeron. Mais j'ai oublié son nom, putain. J'ai oublié son nom, ça fait chier. Ok. Bon. Du coup. C'est parti. On peut pas lui reparler juste pour donner une idée. Bon, c'est pas grave. Ok. Ah non, c'est pas ici. C'est pas ici. On retourne où on était avant. Franchement, c'est sympathique. Hein. C'est sympathique. God of War, ça. Faut vraiment que je m'achète le tout dernier, franchement. Le truc, c'est que moi, si vous voulez, enfin, je vous l'ai déjà dit de toute façon. Hein. Moi, en fait, pour les jeux vidéo, c'est sûr, j'aimerais tellement me les acheter parce qu'ils sont tellement super, ils sont tellement. C'est vraiment un truc que je voudrais en fait. Enfin, il y a genre God of War, il y a le dernier God of War, il y a. What the fuck? Attends. Il y a. Voilà, donc il y a. Voilà, donc. Non, je rigole. Mais. Ah putain, non! Ok. Où faut que j'aille? Peut-être par là? Ouais. Putain. Ils sont puissants, on dirait, non? Je sais pas. Ouf, voilà, c'est bon. Alors, je sais pas du tout si c'est le bon chemin. Mais, voilà quoi. Je sais pas du tout. Il y a un truc au-dessus, mais. Aucune idée. Alors attends. Attends, on peut pas passer, putain. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, au-dessus, j'ai vu qu'il y avait. Là où il y avait le dieu forgeron, j'ai vu aussi qu'il y avait. Comment vous dire, un portail. Je pense que c'est par là, mais. Ah, mais non, c'est par là de toute façon. Okay. Voilà. Ouais, je pense que ces statues-là ne vont pas m'attaquer. Voilà. What the fuck, que c'est beau.
Je veux de l'énergie, merci. Ok, 3348. Oui bien, juste aller voir si... Alors. Voilà. Cyclone du chaos, cyclone du chaos dans les airs, d'accord, très bien. Nouveau compteur de poisson d'or, crise de l'argot, parade, LP. D'accord, très bien. Et puis il faudrait que. Hop, ça ceci. Ah, presque. L'arc d'Apollon. Alors ce que je vais faire, c'est chacun son tour en fait. Je vais. Là, comme j'ai. Alors. Comment me connais-tu? Tu es le fantôme de Sparte. Tout le monde sait qui tu es. Tout le monde a peur de toi. Il y a des raisons à cela. Je n'ai pas peur de toi. C'est bien de ne pas avoir peur, fillette. La peur est un lourd fardeau. Je ne suis pas une enfant, Kratos. Peu importe ce que tu es, j'ai d'autres préoccupations. Oh, l'épée. Kratos, je t'en prie. J'ai besoin que tu me libères. La quête de la liberté est aussi un lourd fardeau. Je ne peux rien pour toi. Alors, l'âme de l'Olympe. Oh, vous allez me coûter le collier de la lave qui a mis fin. Tu as récupéré la lame de l'Olympe. Laisse la rage de Sparte. Ah, c'est la rage. Oh oui, oh c'est bon. Oh putain, oui, c'est bon. Oh l'ange. Le mec il joue, on dirait. Après, il va falloir que j'aille utiliser. Enfin, il faudrait que. Comme j'ai amélioré le niveau 1, enfin, comme je suis niveau 2, au niveau de. Enfin, quand je suis au niveau 2. Par rapport à mes lames, il va falloir que j'utilise un peu tout ça quand même. Il va falloir que je mette à profit tout ce que j'ai appris, on va dire. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui. Ah bah tiens. Maintenant, comme j'ai l'arc, je peux y aller. Ah maintenant je peux le faire, super ça, ça c'est bien. Parce que j'aime bien cette attaque où quand on est bien, enfin quand on est genre au milieu d'un gros troupeau et tout d'ennemis, on utilise cette attaque et puis après ça balaye un peu tout ça quoi, ça balaye un peu. Je trouve ça vraiment sympathique n'empêche. Et voilà. Et je voulais dire aussi un autre truc. Hop, ça c'est fait. On va déjà sauvegarder. si vous voulez, je ferai chacun son tour. C'est-à-dire que là, j'ai augmenté. Je suis niveau 2 au niveau de la lame de ma lame de feu et tout machin. Et juste après, ce que je vais faire, là, je suis en train de faire l'arc. Et puis, bah, comme j'ai une nouvelle arme, maintenant, je vais faire la lame de l'Olympe. Et du coup, Wally Wallo quoi. Fais voir un petit peu. Non, c'est pas ici. Du coup. Arc d'Apollon. Arc d'Apollon. Lame de l'exil. Ok, très bien. Donc, bah, peut-être que. Attends, fais voir. Ah, lame de l'exil. Ouais, c'est ça, c'est la lame de l'exil. C'est plus la lame d'Athéna parce que l'âme d'Athéna c'était il y a avant. Putain, hyper classe quand même l'arc, hein. N'empêche. Hyper classe. Oh non, il va falloir que j'affronte ces chiens. Putain.
Pourquoi ça m'a pas fait comme l'autre là? Parce que je pouvais grimper. J'étais en train de grimper sur l'autre. Oh, c'est pas grave. Encore 6 trucs et... Et merde, 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 putain. C'est chaud, hein. Si ça se trouve, il est. Ça marche pas, je crois que ça marche pas. Ouais, je crois que ça marche pas parce que la flèche elle rebondit. Il me semble. Enfin. En fait non, j'ai juste une impression. Je pensais que la flèche est rebondie parce que c'est parce que comme c'est du feu, il est inoffensif. Enfin, ça l'atteint pas. C'est juste une impression de l'avoir avant. Enfin là, je vois peut-être que c'était moi en fait. Hein. Allez, ah bah moi je t'attaque. En l'air, tout sympathique. Alors l'autre il nous manque, enfin, il a encore deux têtes je crois. Concentre-toi du con. Non! Ah, lui c'est fait. Putain. Putain. Je comprends pourquoi Zeus était obsédé par toi, Fratos. Tu es un vaillant guerrier. Là c'est Hadès qui parle. Hein. C'est Hadès qui parle pour ceux qui se demandent. Et Come on.
Alors, oulala. Palais d'Hadès. Wow. Bienvenue, Spartiate. Entre, installe-toi confortablement. Cette fois, tu ne partiras pas d'ici. Alors, j'ai dû voir s'il y a un coffre quelque part, peut-être. On va essayer de fouiller un peu partout. Déjà qu'il y a un moyen de sauvegarde, donc du coup, on sauvegarde. Voilà. Ça c'est fait. Ici, il y a quoi? Il y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Bon, peut-être que ça va. Je pense que ça va de l'autre côté, je pense. Je suis pas sûr, mais. Ok. Putain, ça pourrait me mener où ça? D'accord. On va le mettre, on va le remettre de l'autre côté parce que j'ai l'impression que ça va pas. Allez vite, hein. Il faut aller vite. Laisse la rage de Sparte remplir ta lame, Kratos. Oui. Non, je rigole. Putain, il faut aller vraiment vite, hein. Alors on se bouge. Putain, comment pourrais-je y accéder? Enculé. Non, je vais m'accéder là, quoi. Ok. Attends. Y'a pas moyen de le grimper dessus? Oh, dommage. On vole. C'est ça le truc. Quand? Je suis quand? Hein. Pas con ce quand. Allez. Putain, j'ai perdu du temps. Je suis en train de perdre du temps là. Ah! Comment ça glisse là? Ça glisse tout seul, c'est pas mal.
Ouais, oui. Mec, c'est... Il s'en gêne, le mec, et tout. L'espérance, ça a marché. Oui. Alléluia, mon frère. Voilà. Putain. De toute façon, dans les jeux comme ça, c'est obligé que tout ce qui vous met, enfin tout ce que les développeurs vous met ici là, c'est obligé que ça sert. C'est obligé que ça sert à un moment donné. Putain. Ah. Putain, que des coups de crosse là. Putain. Laissez-moi tranquille, wesh. Ils m'ont pas laissé respirer, c'est con. Vas-y. Casse les couilles. Mais sans nous, c'est... Autant utiliser sa rage. Hop, ça c'est fait. Putain. Putain, il a rempli de sang, le mec. Voilà. Comment il crie en plus quand il donne des coups, ça me donne des frissons, je sais pas pourquoi, mais Bonsoir. Alors, déjà on va lire le livre. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas le lire. Pourquoi je peux pas? Tu me donnes... Putain, il me donne pas l'opportunité d'avoir un peu de la culture de God of War. Ok. Oh. Épitaphe est inscrite sur le socle. Sigil Perséphone, reine des enfers et épouse d'Hadès. Ah, d'accord, c'est... Je comprends mieux. Est-ce qu'il va falloir faire un truc ou pas avec... peut-être de côté, je pense, je sais pas. Ah, mais non, c'est bon. Oh, putain, c'est... Si elle était encore vivante, j'imagine le truc. Putain, mais arrêtez, je suis en train de dormir là. Oh putain, il a repris mes couilles. Arrêtez de venir, de toute façon vous êtes là pour... De toute façon vous savez que je vais vous botter les fesses. Vous savez que je vais vous botter les fesses, alors s'il vous plaît arrêtez hein, de venir. Voilà. Ah, je peux même pas avoir ma... Putain, mon énergie maximum toute la... Putain, c'est quoi ce petit respect?
2331. Alors attends, on va aller. Voilà. Arc d'Apollon, dégâts augmentés. Alors il faut 7000 or pour améliorer votre objet. On va quand même économiser, enfin on va essayer, hein. Non, je rigole, mais... on va... Alors... Est-ce qu'il va falloir... Non, je sais pas du tout. Ah oui, d'accord, il va falloir... C'est... Ouais, c'est compte à rebours. Tu me fais ça? Putain. Pourquoi tu me fais ça, culé? Il va falloir les menottes. Je sais pas du tout s'il y a un nom exact pour ça, mais on va voir un peu ce qu'il y a. Ok. Ah, un truc en haut. Peut-être que ça va peut-être me servir, je pense. Je sais pas du tout. Ah, il y a juste des coffres. Pourquoi il y a des coffres? Ça peut toujours servir, évidemment. Allez! Putain. Oh! Plume de phoenix. Vous avez obtenu une plume de phoenix, ramassez-en un de plus pour augmenter votre jauge de magie. Et en haut, j'ai pas vu en haut, attends. En haut, il y a rien, je pense. Non, il y a rien. Alors, fais voir s'il y a un truc en haut pour voir s'il y a... Je sais pas du tout si ça pouvait me servir, mais bon. Ah, mais voilà! Putain, mais je le savais! Putain! Putain! Bah écoute! Là, ça me fait plaisir! Là, je suis content! Par contre, c'est toujours...
sur mon domaine. Il m'arrache les ailes. Tu veux le bas toi hein. Vicieux. Ouf. Vicieux madame. Allez. Ok. Donc là, je peux le faire. Je peux. Là, je peux y aller sans qu'il y ait. Enfin, sans qu'il y ait. Attends. Ah non, mais c'est bon. Bon, c'est bon. Voilà, donc après on attend. Phew. Allez. Oh. Kratos, je suis heureux que tu aies du temps à nous consacrer. Tu sais que nous en avons besoin. Je sens un mauvais fluide entre nous, Kratos. Genre. Oh, tous ces souvenirs, ils sont douloureux, vraiment. Voyons. Combien de péchés as-tu commis contre moi ? Ah, c'est vrai. Beaucoup. Tu as tué ma nièce Athéna. Et quoi d'autre ? Quoi encore ? Ah, tu as tué mon frère Poséidon. Et je n'ai pas oublié que c'est toi qui as massacré ma splendide reine. Je te ferai souffrir autant que j'ai souffert. Ton âme m'appartient. Oh. Oh. Oh, 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 oh.
Eh ben ouais, il est quand même gros, hein. Il est quand même, je veux dire, il est quand même grand à dessin par rapport à au début. C'est vrai que au premier épisode, j'ai mal, comment vous dire. Je sais pas du tout pourquoi je l'avais commencé. Je pensais l'avoir déjà commencé avant parce qu'en fait j'étais en train de parler et ça, etc. Et en fait, si vous voulez, avec la... bon, c'est juste une erreur de ma part. C'est juste une erreur de ma part, excusez-moi, bien évidemment. Comment vous dire? Oh! Et bah, du coup, en fait, durant l'introduction, pas avant le menu, hein, bien évidemment, mais durant l'introduction, on avait vu les titans qui montaient, etc. et machin. Bah, Hadès, il avait la même taille que tout le monde, il avait la même taille que Poséidon, que Zeus, que tout, que les autres, que voilà quoi. Oh putain, le cœur. Genre, il a plusieurs cœurs, le mec. Ouh! Bon, après Hadès, au niveau physique, il est vraiment imposant, parce que moi, des fois, je, si vous voulez, pour moi le vrai, il y a, enfin, quand par exemple quand, c'est des, quand j'ai vu des films, enfin quand j'ai vu que ce soit des séries ou des films, quoi que ce soit, même par rapport aux jeux vidéo d'ailleurs en plus, pour moi Hadès, il a une flamme bleue. Et sur la tête, et il a genre un cochon, enfin il a des sbires et puis un chien à trois têtes. Oh putain, le mec avec la... Pour moi c'est ça, hein, et c'est le Hadès de Hercule, hein, du dessin animé de Disney, hein. J'ai oublié. Ah putain. Franchement, ces armes elles sont classe, hein. Putain, vas-y. Oh. Putain, j'étais beau en plus. J'étais bon.
mis ses potes là. Ah non. Peut-être après. Ouais, c'est après. Amène tes potes là. Bon. Putain. Mais nique sa mère, vas-y. C'est chaud.
là je me suis mal débrouillé. Casse les couilles. La musique elle est super. J'ai des frissons quand même. Dans les frissons, je vais voir. Il est esquivé. Je pense que la rage, ça servira en cas de nécessité, je pense. Ou alors, imaginons, je sais pas, l'ennemi est extrêmement puissant, ou alors s'il y a beaucoup d'ennemis, ou alors si, ou imaginons, je sais pas, si
Au niveau de l'énergie, c'est-à-dire la barre d'énergie verte, peut-être que, je sais pas, peut-être que... Enfin, moi en tout cas, je me serais servi de la rage quand j'aurai une barre d'énergie verte plutôt basse. Qu'est-ce qu'il a à m'offrir ? Ok. C'est... Oh non ! Putain ! Esquiver, c'est ça? Oh, écoute, c'est... Il faut utiliser la carte de l'esquive, voilà, c'est ça. Sa mère. T'as mon chat, il me trouve chelou, il me regarde là. Qu'est-ce que tu fais? Putain. Bon, on va essayer une dernière fois. Je le ferai en hors vidéo, hein, évidemment, le boss, si j'arrive pas. T'aimes ça la douleur? Pourquoi tu souffres? J'en ai rien à foutre. Putain, voilà. Thank you.
Merci pour l'énergie. Ça tu esquives, j'en ai rien à foutre, t'esquives ça.